pour Flo, on s'est dit que le Che c'était une bonne référence. Alors c'est vrai que c'est une image qu'on a déjà beaucoup vue, c'est juste un portrait dingue et donc avec mon équipe on s'est dit que lui il collerait parfaitement. Alors c'est vrai que quand on lui a proposé un certain nombre de personnages, il a immédiatement été vers le Che. Je crois que le Che il est présent dans l'inconscient de tous les gens, quoi. Cette photo, elle est partout. C'est des posters, c'est des drapeaux, c'est des t-shirts. Et puis là, depuis 10 ans, je partage aussi ma vie avec l'Argentine. Et le Che était argentin. Moi, je suis un rêveur. Alors, je sais que j'ai pas du tout le même genre de regard, mais il y a un truc qui va très loin et j'aime ce truc-là de vision. Il y a une urgence dans son regard et il a quelque chose de très, très lointain. J'avoue, moi, je suis un bisounours à côté, donc je vais voir. Mais on va me guider, je pense qu'on va y arriver. J'ai l'impression qu'il est chargé d'une mission, qu'il est chargé d'une détermination et d'une vision qui le dépasse. C'est comme s'il est totalement dévoué à quelque chose qui est en lui, qui le dépasse à lui aussi, et il est au service de ça. Je le vois comme ça, vraiment. Moi, la révolution que je mets en avant et celle vers laquelle j'invite les gens, c'est une révolution qui est de l'ordre de l'intime, qui est de l'ordre du développement de soi, de la recherche de soi, de son authenticité. Là, dans le cadre du Che, on sent que lui, il est dévoué à une cause extérieure. Il est vraiment dans le don pour un truc extérieur. Mais mon parallèle, moi, il est plutôt de l'ordre de l'intime. C'est vrai que je considère, moi, que quand on sait changer soi, on change le monde. En fait, moi, je voulais faire le Che. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose... C'est marrant, mais depuis tout jeune, j'ai eu les cheveux très souvent comme ça. J'ai joué un peu à me grimer, moi aussi, à l'époque, avec le béret, c'était une mode. Et on me faisait souvent la réflexion de « tu ressembles au Che, tu ressembles au Che ». Je crois que ça me tournait autour, et voilà, c'est venu, et je suis très content. Ouais. Je vois surtout la performance artistique, parce que Sacha, c'est un artiste, et puis... Tous les gens qui sont autour et qui participent à ce projet, c'est des artistes. Moi, j'y vois surtout ça, le fait qu'on peut réaliser des choses incroyables. Quand j'ai vu les photos la première fois, j'ai pensé que c'était des peintures, j'ai pensé que c'était... Ouais, c'est vraiment de l'art. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu le faire, parce que je sais que le résultat va être incroyable.